Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire un petit DP. Comme vous pouvez le voir, c'est un 20 sur 20, c'est un tout petit. Je range mon bureau. Je range mon bureau. Et en rangeant le bureau, je suis tombée sur ce petit chat que j'ai acheté. Je vais vous monter un peu plus. Et comme ceci, voilà. Vraiment tout petit, hein, c'est tout petit. C'est je l'ai eu chez, je sais, c'est mes petits Liams, voilà. J'ai une carte, je crois, de Coralie, je crois qu'elle s'appelle. Désolée, je passe devant. Oui, voilà. Voilà. Je la garde dans mon coin. Voilà. Mes petits diams. C'est Coralie. Voilà. J'achète de temps en temps. Donc j'avais fait tout un lot de petits chats, de petits cadres. Alors, il y en a un multicolore, je ne sais pas où il est passé, j'ai dû le ranger. Dans une boîte. Alors j'en ai mis un là dans un cadre, oui. Celui-ci. J'adore. Donc je fais celui-ci. Celui que je viens de vous montrer en photo là. En cadre, pardon. Je l'ai racheté une deuxième fois. Je vais le faire pour mon fils. Donc c'est des petits, ça va assez vite. Donc là, en rangeant le bureau, je faisais des. Comment dire ? Je regardais des vidéos en même temps, enfin je presque en fond, on va dire en fond hein, pendant que je bossais, j'entendais, je me dis voilà, fait longtemps que j'ai pas fait de diamond painting, et oh dis donc, on dit que c'était fait exprès. Je suis tombée sur le petit, j'ai dit allez hop, je fais une pause et je fais ça. Ce sont des diamants ronds. Là c'est un bleu que je viens de prendre. Donc voilà, je dis allez hop. Fais une petite vidéo, il y a un petit moment que. Faut que je vous mette d'ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps, mais la vidéo de bébé Yoda. J'ai terminé, il est parti chez son nouveau propriétaire. Je l'ai donné à mon petit gars. Donc je l'ai fait en vidéo, puis j'ai pas encore mis la vidéo en ligne. Dire que vous allez entendre du bruit, hein, c'est normal, j'ai mon fils, mari à la maison. On est samedi. En principe, je filme pas le samedi, je ne filme plus le samedi. Voire même le dimanche parce que ça fait trop de bruit, mais bon. Là j'avais envie de commencer, il est quand même tard, hein, il est 18h45. Donc je vais faire un petit peu avec vous. Je ferai un peu de mon côté, c'est pour me détendre. Voilà, je l'ai mis sur ma plaque lumineuse, mais j'ai pas besoin de la plaque lumineuse. C'est juste pour pas que le travail glisse de trop, comme j'ai pas envie d'enlever ma plaque en verre. Pas envie de. Alors, le rangement du bureau se fait très très bien. J'ai bien avancé. Donc, comme je fais du scrap, je fais. Quand même pas mal de choses. Je range mon bureau où j'ai mon scrap de ranger. Donc comme je suis démonstratrice Stampin' Up, ben je range tout ça, tout ce que je ne
que tout ce que je vais vendre, parce que je vais vendre des choses, mais j'attends, je ne mets pas encore, je vais les mettre sur Vinted. Je vais attendre d'avoir vraiment tout rangé pour pouvoir me lancer dedans. Tout est mis dans un carton. Il y aura du Stampin' Up, il y aura du Action, il y aura tout ça. Donc voilà, je m'en sers pas. C'est autant que ça serve à quelqu'un. Puis moi, ça débarrasse. Alors, c'est pas pour faire de l'argent, hein, puisque de toute façon, je dépense à côté du fait que là, je viens de racheter de quoi ranger mes objets dans le bureau. Et bon, j'oriente tout autrement. Voilà. Ça permet de faire du vide. N'empêche que parce que tout ce que j'ai mis de côté, là, ça fait quand même pas mal de place. Ça, je le ferai après par là. Voilà, là, c'était un petit bleu. Voilà, après, bah, je vais faire les ailes, tiens. Alors, je ne connais pas encore trop les couleurs. 436. Alors, je n'ai pas de fiche avec ce DP. Donc, moi, quand j'ai pas de fiche, je mets mon DP dans mon imprimante et puis je m'affiche moi-même mon papier. Comme ça, bah, ça permet de suivre, parce que des fois, la façon dont je suis installée à le faire, je vois pas du tout le. Je vois pas du tout le, comment dire, le nuancier. Donc autant quand il n'y a pas de feuilles, ben je fais comme ça. Donc voilà. Bon, là, je vais faire ça jusqu'à à peu près 7h, 7h15. À 19h, 19h15, ou à peu près. Peut-être pas en vidéo avec vous, hein, tout le temps, mais bon. Faire déjà un bon boulot avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de DP de, bah depuis que j'ai fait Bébé Yoda. Et Bébé Yoda, je l'ai fait, c'est celui-là, Bébé Yoda, il est là. Mais ce que je note quand je travaille dessus, 12, 12, 12, 12, ça, je l'ai fini. Oh, bah, ça fait un mois pile poil. Là, nous sommes le 15 janvier et l'autre, je l'ai terminé le 15 décembre. Et il faut surtout que c'est que j'avance, qu'il y a la salle à manger, parce que là, prendre la place dans la salle. Bon, il est sur une table à côté, mais quand je reçois du monde, que j'ai besoin de la table, il faut que je débarrasse le DP. Que je le trimballe dans le bureau ou sur mon lit, et quand les copains ou la famille repart, il faut que je retrimballe mon DP dans l'autre sens. Quoi de l'abîmer, il faut vraiment que je m'y mette. Je pense que demain après-midi, je vais faire un peu. Ah, j'ai mes cartes de vœux que j'ai toujours pas fait, nous sommes de l'habitude. Hein. Je les ferai dans la semaine. Cartes de vœux, c'est pas grave. Et je pense que demain après-midi, je vais me mettre à travailler sur le DP, parce que le soir, quand je suis devant la télé, être un peu avec mon mari quand même, je suis devant la télé, je tricote, enfin je crochette, j'ai des amis amigurumis, j'adore faire ça et ça me détend. Donc là, j'ai trouvé en plus une chaîne sur YouTube et puis sur sur Insta également, sur Instagram. Et c'est Mes Petites Bouilles. Voilà, je cherche Mes Petites Bouilles. C'est d'ailleurs, j'ai fait un Yoda, un bébé Yoda en amigurumi pour Alexandre.
mon petit gars là. Ah, il l'a adoré. Hein, dès qu'il l'a eu, il ne l'a pas quitté. Et ben, il a, comment dire, je l'ai pris, j'ai pris le tuto sur la chaîne de mes petites bouilles. Donc voilà. Ensuite, je vais éviter de vous faire les foncés avec vous hein, quand même. Alors, les U. C'est marron bordeaux. Marron bordeaux, je sais pas. Rouge, pas de... Ils mettent rouge sur le motif, mais je trouve pas si rouge que ça. Voilà, ça va être des petits cadres que je vais faire, que je vais garder pour moi, que je vais mettre dans mon bureau. J'en ai un qui va râler. Mais bon, ça sera fait dire à rien. Je vais mettre un cadre certainement. Je sais plus où il est. Il faut vraiment que je le recherche, ce cadre. Hein. Comme le cadre noir que j'avais tout à l'heure sur l'autre. J'en avais appris un blanc comme ça. Un blanc ou couleur naturelle. Je sais plus. C'est des varvins. Comme le DP ne fait pas tout à fait 20-20, mais bon, ça fait, c'est pas grave, j'aime bien quand il y a un petit rebord blanc sur les côtés. Ça accentue plus, je trouve, la photo. Donc du coup, je vais le faire. Je vais aller voir tout à l'heure, j'ai pas encore craqué, mais je crois que je vais craquer. Et que je vais racheter des petits. Je suis allée sur le site de Coralie. Je me retiens, mais je crois que je vais pas tarder à craquer, à prendre justement des petits comme ceci, ce qui me permettrait de me faire pour mon bureau, que pour moi, un coin où je mettrai des petits cadres comme ceci, petits cadres 20-20. Comme le bio, je pense que j'ai une aile là où les mettre. Derrière moi il y a un gros, un meuble devant, mais on le voit pas, mais il y a un grand cadre, enfin qui sont par 5 là, par 5 toiles sur le côté. Non, j'ai mon bus Volkswagen. Ah, je peux beaucoup mieux hein. L'autre côté, j'ai tout mon système qui tient les carte comme on voit et tout. Faut que je demande à mon mari de me refaire des murs. Voilà. Donc je pense que la seule solution, ça sera derrière ma porte de bureau quand on ouvre le bureau. Comme le bureau de toute façon est toujours fermé, puisque quand je suis dedans, moi je ferme le bureau. Et sur ma porte, il y a marqué « Silence, on tourne », même si je filme pas. Souvent, mes fils, ils tapent à la porte. « Maman, on peut te demander quelque chose ?» Alors que ils sont grands, hein, c'est pas grave. Hein. Alors que je ne filme pas. C'est marrant, je trouve ça marrant. Ensuite, je laisse ouvert que quand je suis toute seule, et quand il y a du monde à la maison, je ferme comme ça. Voilà. J'écoute mes vidéos tranquillement. Je fais mes vidéos tranquilles si j'arrive à faire des vidéos. Et puis voilà, j'embête personne. Alors les ronds, je les fais avec le stylet. Des fois, je fais avec les trois. Ah, ben alors. Le côté 3, celui-ci, le grand côté de 3, sans ça je travaillais avec le stylet, sans ça les carrés je travaille avec la pince. Le grand, c'est avec une pince,
Avec une pince, c'est des carrés. Donc avec une pince. Voilà, bah je vais faire ça là. Tranquillement. Regardez si, combien de temps il est resté, parce que je sais que ma caméra se coupe à 18 minutes. Donc je regardais si j'avais pas dépassé le temps. Non, ça va. La façon dont il place mon... Donc, comment on appelle ça, mon appareil photo avec lequel je filme. Donc vous êtes en haut, hein, vous voyez de... Vous êtes en haut, mais vous voyez comme moi, de ce que je vois, quoi. Du même côté que moi, vous n'êtes pas à l'envers. Mais j'ai pas de retour caméra directement sur avec l'appareil. J'ai pas un cache qui se soulève. Alors j'ai mis une lampe, comment on appelle ça, un miroir, voilà, un miroir qui me donne le dos de l'appareil photo, comme ça je peux voir combien de temps il me reste. Dans ça, tous les 5 minutes, je suis obligée de me lever parce que il faut que je trouve une fonction sur mon ordinateur pour que je puisse voir. Ce sera plus simple où je vois ça. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter quand même. Il y a 17 minutes que je discute. Voilà. Alors, les blancs, c'est quoi les blancs? 762. C'est des blancs un peu gris presque. Voilà. Hop, je vais couper. Je vous reviens tout de suite. Alors voilà, je vous reprends avec ce petit chaton. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 17. J'en avais fait hier, je vous avais même fait une vidéo hier, mais je l'ai écouté tout à l'heure parce que je l'ai chargé sur mon ordinateur. On entend trop la télé, on entend. Bon, stop. je l'ai effacé. Il faut que j'apprenne à mettre de la musique sur certaines. Sur des parties des vidéos, donc pour l'instant je sais pas faire. Donc là du coup j'ai décidé de reprendre la vidéo ce matin pour finir avec vous ce petit chat. Voilà. Bon, alors c'est un DP. C'est un 20-20, donc c'est très bien, hein. Ça va assez vite à faire. C'est un DP qui vient de chez Mes Petits Diams. J'aime beaucoup commander sur cette boutique. Même si c'est un peu plus cher, ça m'est égal. Ça va travailler une jeune femme de la France en France. Même si ils achètent peut-être certainement en Chine, j'en sais rien, je sais pas. Ça, mais de toute façon, tout vient de là-bas. Alors donc, mais au moins, ça arrive assez rapidement. On commande 48 heures, on les a. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis. J'ai même acheté des comment on appelle ça? Ah,
des diamants sans toile, puisque j'avais acheté une toile sur internet, sur Ali. C'était une toile mystère que je faisais lors d'un défi qu'avait lancé Nani, ses passions et ses loisirs et ses diamond painting et ses loisirs, ou je sais plus comment c'était la vidéo. On avait fait plusieurs vidéos dessus, on avait fait plusieurs dimanches, c'était des dimanches, il fallait les mettre, c'était donc un mystère. J'en avais acheté un sur AliExpress et mon mari avait vu que j'en avais mis un au panier sur Amazon, mais que j'avais pas acheté. Je ne l'avais pas pris, donc il me l'avait pris. C'était un cutaway qui était très très bien. D'où ce joli stylet là. Ça me fait moins mal aux mains avec un stylet comme ceci que les autres très très fins, les petits roses qui donnent. Ça me fait trop mal à mes mains. Que là, ça va. Il est assez gros, il est bien. Donc, on avait fait donc un défi. Il fallait bien sûr qu'on découvre après, petit à petit notre DP. Et à un moment donné, je me suis aperçue que dans le DP, il manquait. C'était un rond que j'avais eu de chez AliExpress. Alors, le vendeur, je ne me rappelle plus. Et j'avais des carrés dedans. Ou inversement. Non, c'était un rond. Oui, c'est ça. C'était un rond et j'ai eu des carrés ou inversement. Je ne sais plus exactement. Enfin, bon, bref, il n'y avait pas toutes les couleurs, mais il y avait une couleur où c'était pas les bons. Bien sûr, il était trop tard pour que je réclame. Parce que j'avais déjà validé mon. Comme quoi je l'avais reçu, que tout était parfait. J'avais pas fait attention. J'avais fait attention s'il y avait le nombre de sachets et puis tout ça, mais j'ai pas regardé plus en détail si tout correspondait, quoi. J'ai pas fait attention maintenant, je m'y ferai plus avoir. Mais c'était perturbant. J'ai mince. Alors, comme j'ai plein d'épées en réserve, j'ai regardé, j'ai trouvé exactement le numéro que j'avais en réserve. Donc, j'ai pris le stock que j'avais besoin et j'en ai commandé. J'ai regardé sur les sites et puis j'ai vu que mes petits Coralie de mes petits diams le faisait dans sa boutique, donc j'ai commandé chez elle et je les ai reçus 48 heures après, quoi. C'était assez rapide, hein. C'est assez rapide. On a toujours un petit mot gentil derrière sa carte de visite et tout. C'est non, franchement. J'aime beaucoup. Puis j'ai fait plusieurs déjà d'épées de chez elle. J'ai fait la Harley Davidson. Je sais pas si. Je sais plus si j'avais mis un truc sur une vidéo au-dessus, je sais rien. C'est la Harley Davidson pour mon fils. J'ai fait également l'éléphant. En gris avec des couleurs éléphant et gris avec son petit, enfin l'éléphant, c'est une maman. Pour ma belle-fille, je l'ai faite l'année dernière. Faite pour Noël l'année dernière. Je lui avais encadré puis on l'a offert. Elle adore les éléphants. Après, ce que j'ai fait, le petit chat gris, je vous ai montré en cadre tout à l'heure. Au début de ma vidéo. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre?
bon, chez elle. Ah, j'ai fait une. J'ai acheté aussi une jeune femme noire. Faut faire le turban, c'est un. Faire le turban et le collier, je crois qu'il y avait. Alors, il y en a deux. Mais moi, j'ai fait celle qui donne dans les teintes bleues. Parce que quand j'ai acheté, il n'y en avait qu'un. Et j'ai adoré. J'ai bien aimé le faire. Ça a été assez rapide et j'ai bien aimé le faire. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté des marque-pages, je crois. J'ai acheté un par avec la tour Eiffel. Il me semble que c'est celui avec la tour Eiffel que j'ai acheté chez Coralie. Et je l'ai offert à Peggy, la chaîne Les Petits Mondes de Peg. Je sais qu'elle adore la tour Eiffel. Elle aime beaucoup Paris, mais la tour Eiffel. À kiff. J'ai la cox. J'ai acheté la cox aussi. Je ne l'ai pas encore faite, je crois. Il me semble que je ne l'ai pas encore faite. C'est moi qui joue des bus Volkswagen, des coccinelles et tout. J'achète. Hein. Donc voilà, il ne me reste plus que l'été. Hop. La lettre T, pas les T. Hop, voilà. Hop. C'est quand même plus calme ce matin. Ils sont partis travailler. Enfin, il y en a un, non, il travaille plus, il est au chômage, mais il y en a un qui est pas là, il est chez la chérie. D'ailleurs, je suis sûre que j'ai un message. Non, ça va. Il est chez sa chérie. Il repart au travail ce soir. Donc, je ne l'envoie pas dans demain. Peut-être. Ou peut-être pas demain. Ça dépend. Je vais prendre la serre. Hop. Là, c'est le thé. Et c'est un joli pêche abricot. La pêche, ouais. Ah bon. Très, très clair. C'est très, très clair. J'en ai un qui travaille, qui est parti. Marie qui est partie travailler également. Donc c'est plutôt calme. C'est les vidéos de Diamond Painting, je les mets soit le samedi, soit le dimanche. Donc là, je m'y prends en mal là, ce matin. Il faut que je fasse le montage de Baby Yoda, je n'ai toujours pas fait. Il faut que je m'en occupe. Vous aurez Baby Yoda ce week-end, donc dimanche. Ouais, samedi ou dimanche, je sais pas encore. Et puis lui, je le mettrai la semaine d'après. Voilà. Ça, après, ça me donne le temps de regarder ce que je vais faire d'autre. J'espère recevoir la commande de. J'ai BFKE. Pour faire un haul. Après avoir fini ce petit chat là, en DP, je vais certainement faire le gris, comme ça je pourrais le donner à mon fils. J'achète un cadre pour le donner à mon gars.
ensuite qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que j'en ai plein à faire, plein, et j'en ai plein aussi, enfin j'en ai plein, j'en ai deux à acheter, les cadres, j'ai toujours pas acheté les cadres, ils sont protégés hein, mais... J'achète les cadres, souvent c'est des dimensions un peu spéciales, pardon. Là, j'en ai allé tout en longueur. Ensuite, faut que j'avance dans mon grand. Ça, il est tellement grand que... Après, après, je sais pas quoi faire, parce que j'en ai pas mal à faire quand même, donc... Je ferais peut-être bien la coccinelle, tiens, que j'ai là. J'en ai deux, je crois, de coccinelle. J'ai des gorges justes aussi. Non, pas des gorges justes, des kokeshi. Je me suis trompée. J'adore les kokeshi. J'en ai une violette, je dois en avoir une rouge, je crois. Il me semble que... Moi, je ne sais plus les couleurs que j'ai. J'en ai plusieurs. Bon, je manque pas d'épée, en... sans compter ceux de chez Action aussi. J'avais acheté une fois. Donc les épées ne manquent pas. Il va même falloir que je m'y mette. Mais pas... Enfin, j'ai mon... Que je fasse aussi mon scrap. Mes vidéos avec les produits... les produits de chez Stampin' Up. Hein. Voilà, donc ça se termine. Oh là là, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Et je vous ai dit hein, que j'allais... Je pense que je vais y faire un tour tout à l'heure sur la boutique de Coraline. Et je vais mettre dans le panier. L'autre petit chat qui est en photo, enfin qui est en cadre, qui est à faire, je vais y arriver. Lundi matin, hein, quelle heure? 9h. Oui, j'ai déjà fait tout mon ménage. Pas tout mon ménage. J'ai fait... mes poussières dans ma salle, j'ai fait. J'ai avancé. Tous les jours j'en fais et puis comme ça la maison elle est propre. Voilà. Puis celui qui n'est pas content, et ben, il prend et il fait. Non, je rigole. Ah mince, j'ai oublié des U là. Mais donc on me lève quand même de bonne heure. Bah, je déjeune, après je fais mon... Je fais ce que j'ai à faire dans la maison.
Comme ça, après, je suis tranquille. Attendez, je vais revenir. Alors voilà. Désolé, je vais aller voir mon gars qui descendait. Il est dans les papiers. Donc je disais que j'allais aller sur le site de Coralie tout à l'heure. Vu que j'ai fini avec lui, il faut que j'ai une vidéo à faire scrap. J'ai plus d'avance en vidéo scrap. Donc il faut que je m'en mette à... faut que je me mette à en faire. Avec les nouveaux produits qui sont arrivés là, qu'on a. Pour la sortie du nouveau catalogue. Déjà, je vais commencer par ma par mes 2-3 cartes de vœux à faire. J'en ai pas beaucoup, mais il faut les faire. Ça tient mal. Pas pareil. À ranger mon bureau. J'attends à... J'ai commandé là des rangements de livres. On voit la tranche des livres, mais pas. Et je les attends. Je crois qu'ils arrivent demain. Donc ça me bloque un peu dans. En tout, donc je mets tout sur mon autre, j'ai un autre bureau à côté de moi là. Mon mari travaillait quand il était en télétravail. Et donc je suis en train de le vider, puis plus je le vide et plus je le remplis de ce que j'ai besoin de mettre dans ces supports là, et je les attends. Aujourd'hui, je vais me consacrer à faire des vidéos de la maison le plus calme. Donc, je vais faire ce que j'ai besoin. Et puis après, ben, on travaillera. On va préparer l'autre. DP, je ferai le DP tranquillement. Ensuite, bon, j'ai plein d'idées.
Je vais en premier lieu finir quand même de ranger ce bureau. Préparer aussi les choses à vendre sur Vinted. Moi, je vous ferai certainement une petite vidéo si ça vous intéresse. Je vous montrerai pas ce que j'ai à vendre parce que j'en ai un paquet. Et il me manque le chip, il me manque des... J'ai vraiment de ce que j'ai fait, comme beaucoup je pense, comme action. Entre autres, et tout vert, les erreurs d'achat que j'ai fait. Instant pile, parce que j'ai commandé des choses et puis que arrivé là, ben, je les avais déjà. Donc c'est à mettre qu'on fait pas gaffe. C'est pour ça qu'en rangeant, là, je range bien comme il faut, je note ce que j'ai, je coche sur le catalogue annuel ce que j'ai. C'est sur les autres catalogues qu'on a deux fois dans l'année. Je le fais pas puisque... je le fais quand... pour les... Oui, si je ne vais pas dire bêtise, si je le fais. Mais bon, c'est pas comme le catalogue annuel... Quand on a le nouveau qui arrive, je note tout de suite ce que j'ai déjà. Au niveau tout, que c'est, comment ça s'appelle, les encres, des trucs comme ça. Donc je coche. Pour ne pas racheter bêtement. Donc là, il y a des erreurs de ma part de fait, et ben je vais les mettre en vente, et puis c'est tout. Donc c'est en train de prendre de la place là dans le bureau avec un carton. J'ai encore plein de trucs à sortir des placards. Ça va me vider mes placards. Hein. Ça. Mais comme ça, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Je vais remettre un petit support. Ils sont bien ces grandes là, mais il n'y a pas le bout qui... Il me reste suffisamment de diamants. Hein. Alors le chi qui est là. Hop. C'est un tout petit violet très très clair. Qu'est-ce que ça donne dans la... ça va pas mieux. Je mets sur mon petit support le... Le macaron. La tête du macaron. Ça va pas mieux, ça va pas mieux. La dame n'est pas du tout réveillée. On se rend mieux compte à la caméra, hein, franchement. Il est trop mignon ce petit chaton-là. Je vous montrerai pas en cadre aujourd'hui parce que ben, je sais pas où j'ai rangé le cadre. J'ai tellement bien rangé de façon à ce que tout soit bien mis partout, ça prenne pas trop de place. Et ben voilà. Et voilà les deux petits derniers. Et voilà les petits doudous, les faits. J'en avais fait un autre aussi, mais de je ne sais plus quelle marque. Un chat, un noir. Pareil, il faut que je le sorte et que je le mette avec les autres. Donc voilà, un petit chaton. Donc je n'ai pas mis longtemps pour le faire. Hein. On va dire, j'ai mis 6h30. En trier aujourd'hui. Donc ça va, je l'ai commencé avant-hier, j'ai commencé le 15. Commencé samedi. Hier et aujourd'hui. Donc voilà. Hop. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.